voix sensuelle. Oui, allô ? Un physique de rêve. Je suis très coquine. Elle les fait tous craquer. Je cherche à faire des rencontres coquines d'un soir ou plus. C'est Pamela sur Skyrock. Ben, c'est parti. Tu peux te faire payer un truc, hein, Pamela. Oui, pas de problème. Je sais que ça te fait tellement plaisir que tu adores. Resto. T'adores te faire payer des trucs. Ah bah oui, tant que c'est gratuit. Un resto. Mais je ne suis pas une prostituée. Pas du tout. Pas du tout. Tu profites juste de la vie. Oui, c'est ça. Je profite et de l'argent des hommes. Et du portefeuille des. Alors, on n'a pas de prénom là. Allô. Oui. Oui, bonsoir. C'est Pamela, l'appareil. Oui. Tu m'entends? Allô. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, j'ai entendu ta petite annonce là sur le réseau là. Oui. Et j'ai trouvé ta voix charmante et je me suis dit tiens, je vais l'appeler. C'est quoi ton prénom? Laurent. Laurent? Oui. Oui, moi c'est Pamela, enchantée. Tu as quel âge, Laurent? Oh. Je t'entends très mal. Oui, ben je sais, je suis à la campagne en ce moment. Ah, tu es à la campagne, tu es seul, c'est bon, tu peux parler un peu. Ouais, vas-y. Bon, tu as quel âge toi? Moi j'ai 45 ans. Moi j'ai 25 ans, ça ne te dérange pas? Bah absolument pas. Bon, et tu es comment physiquement? Bah ça va, hein. Oui, mais tu es grand, petit, chauve, avec des cheveux? Je fais un 93, cheveux. Oui. Et puis 115 kilos, quoi. Et au niveau... Plus physique rugbyman, quoi. Ah, un physique rugbyman. Voilà. Ah, j'adore, moi, ça. Un peu, t'es bien. Un peu comme les dieux du stade. Oh, et vieillissant, mais bon. Oui. Les spectateurs encore, non, voilà. T'es encore ferme, quand même. Ah, oh, bah oui, tu... Oui, et tu es au niveau du sexe, ça va, tu es bien équipé. Ouais, bon, écoute, je suis pas en description, machin. Ça va très bien, ouais, au niveau du sexe. Mais déjà, théoriquement, je réponds pas aux appels masqués. Oui, donc, ça, c'est si tu veux, si tu veux me rappeler, tu me rappelles en ouvert et puis je suis open. Donc, moi, j'ai donné mon numéro. Mais toi, si t'as mon numéro et tu m'as. Stop! Non, si tu parles autrement ou tu... Eh ben voilà, au revoir. Parle pas mal. Faut pas la faire chier, Pamela. Attends, non mais combien il est mal. Parle comment aux femmes. Stop. Alors déjà, théoriquement, je ne réponds pas aux appels enfermés. Les appels enfermés, ils ne répondent pas. Ils ne répondent qu'aux appels ouverts. Voilà, appels ouverts. Très sexe, je trouvais. Oui, oui, bah, en tout cas, le mec, l'autre, je me fais pourrir la gueule. Le mec, tu l'appelles en appel, comme il a dit, enfermé. Enfermé. L'appel, il est enfermé. Ah, le mec, il a fait une crise de nerfs au téléphone. Théoriquement, stop. Bon, un autre. Tu as raison de te faire respecter, Pamela, nous dit Julie, 02, un de tes plus grands fans. Il parle t'as chelou. T'as des couilles, lui. Pamela. C'est vrai qu'il n'arrêtait pas de faire... Bon, un autre, allez. Ouais, salut, bah écoute, moi je m'appelle Pascal. Ah. Et donc voilà, peut-être qu'on pourrait s'apprendre des choses mutuellement. Et donc, n'hésite pas à me rappeler, c'est le 06-21-49... C'est bien ça. Ah, Pascal. C'est Pascal, en effet. J'ai envie qu'il m'apprenne des choses. Mutuellement, il veut que tu lui apprennes des trucs. T'as des idées de trucs à lui apprendre? Oui, bon, je peux lui introduire divers objets dans les fesses. Allô? Oui, Pascal? Oui? Oui, excuse-moi de te déranger, c'est Pamela l'appareil. Pamela? Oui, excuse-moi, mais je ne connais pas du tout de Pamela. Ah, ben j'ai entendu ton annonce, là, sur le réseau. Non, à mon avis, c'est une erreur. Hein. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, tu es peut-être pas tout seul ce soir. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'être tout seul ou pas. À mon avis, c'est une erreur. Hein. Ah non, mais on peut faire connaissance. T'es célibataire. Non, je suis pas du tout célibataire. Hein. Ah, ta femme est à côté, là. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Tu veux que je te rappelle à un autre moment? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais quand même te rappeler. Non, je ne rappellerai pas. Allez, imaginez la pauvre. Ah, la bonne femme. Ah, il s'est senti mal, là. Bah, la pauvre, non. Bah, la pauvre, c'est quand elle est au courant. Là, bon. Non, mais même, elle est heureuse, elle. Elle est heureuse, elle est cocu comme un. Oui, mais elle ne le sait pas. Elle est son mec, il va sur des sites. Ah, ouais, bah, le mec, en même temps. Décide de dégénérer. C'était la pauvre, elle est là. Elle donne son vrai prénom, en plus. Bah, ouais. Écoute, après, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est clair. Moi, je suis pas sa femme, perso. Ah, ça, je suis d'accord. Tu serais sa femme, tu serais cocu. Bah ouais. Oui. Non mais bon, elle. C'est bien triste. De son côté, si elle ne sait pas, bon voilà quoi. On peut dire qu'elle est quand même heureuse. Ouais. Au suivant. Ouais, oui. Oui, bonjour, j'ai eu ton numéro par Julien Street, donc je veux savoir si c'est possible de te rencontrer.
Mon numéro de téléphone, c'est 06 33 93. 93, 93, 13, comme l'OM. Je suis le Marseille. Et voilà, j'ai envie de bouillard un peu. Ouais, ouais. Aller manger des pacholes. Ouais, manger des pacholes. J'ai marre de me séguer. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela à l'appareil. C'est qui? J'avais posté une annonce sur Viva Street et tu as répondu à l'annonce. Ah, désolé, vous avez dit votre bon numéro, madame. Ah non, non, je te reconnais parfaitement. Hein. Je crois pas. Tu es avec ta femme, là? Non, tout doux. Ah bah alors voilà, bah, tu peux passer un petit moment avec moi au téléphone. Non, excusez-moi, je ne vous connais pas, donc je vais rapprocher. Bah, on va apprendre à se connaître. C'est bizarre, il a le même accent. Ah, je ne vous connais pas, ce n'est pas moi qui ai passé l'annonce du 93. Non, mais en tout cas, la voix est passée nickel. Désolé, madame. Ma bonne dame. Désolé, je n'ai jamais passé l'annonce. C'est pas moi. Je suis vraiment très désolé. C'est bien cramé, il y avait sa femme. C'est pas moi. C'est une erreur. Le nombre de mecs mariés ou. Non, mais en plus, le vendredi, parce que la semaine, il y en a, ils doivent être en déplacement, tu vois. Ouais, certainement. Genre, ils sont à l'hôtel ou dans un appart, dans une autre ville. Ils en profitent. Ils sont plus tranquilles. Ça. Le vendredi soir, c'est les retrouvailles avec Bobonne. Ah bah. Bon, bah tiens, en parlant de retrouvailles, rappelez-vous de JF. Vous vous rappelez de JF qu'on avait appelé avec Pamela? JF, c'est. Non, c'est lequel, lui? C'est lui, là. Écarte bien mes fesses. Vous vous rappelez de lui, écarte bien mes fesses. Putain. Vous vous rappelez pas? Ah oui. J'ai bien tout si, 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 si. Voilà. C'était lui, il n'y avait qu'un endroit du corps qu'il aimait, c'était le trou du cul. Caresse par derrière. Oui, c'est ça. Alors, JF, le voici, le voilà. JF, car envie d'aimer une femme, attend un appel féminin au 01-64-93. Allez, appelle JF. Elle est super son annonce. Ouais. On avait passé un très bon moment avec lui. C'est celui qui avait fini le coup de fil comme ça. Voilà. Oui, c'est fini. Très bien. Allez, JF. Non, JF, pas joignable. C'est dommage, j'avais promis qu'on le rappellerait, JF. Faut que j'attende Marie. Ouais, je l'ai appelé tout à l'heure. Bonjour. Merde. Eh bien, il a dû être très excité par toi, Marie. A priori. Elle est pas excitée, Marie. Marie, elle les appelle en cachette. Vous avez vu quand même. Elle chauffe les pervers. Non, mais c'est vrai qu'il a mis du temps à répondre, c'est pour ça. C'est fou, ça, de chauffer les pervers en cachette. Non, mais j'avais trop envie, désolé. Désolé. Il me fait tellement craquer. Bon, merci à JF. Quelque chose à rajouter, JF, ce soir? Je vais jouir. Merci, JF. Très gentil. T'as l'impression qu'il crève quand il jouit. Ça y est, c'est fini. À la fin, c'est bon ça. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, oui. Ah, ça fait du bien, oui. Ah, ça fait du bien. J'ai vidé mes couilles, là. Ah, oui. Ah, oui, JF. Ah, il était heureux, hein. Lui, il sait faire avec les femmes, là. Bon, un dernier, peut-être? Ah, je vais essayer JF, mais il répond pas. Bon, bah écoutez, on retentera le coup un petit peu plus tard, tout à l'heure. Oui. Avec nos pervers du soir. Tout à l'heure aussi, le Loto Foot a fait. Et Pamela sur Skyrock. Et ce soir, on tente l'impossible. Minuit 8, Pamela va-t-elle réussir à exciter? Rien n'est impossible pour Pamela. Vous entendez? Wow. Vous entendez quand même, hein? Elle est bien sûre d'elle. D'ailleurs, je voulais féliciter Romano pour sa défaite au Clash. Merci, Pamela. Bien sûr. C'est marrant, tu félicites toujours Romano, jamais ça. Oui, toujours. Ouais. Et franchement, Cédric, t'es nul d'avoir gagné. Ouais, bah merci Pamela, ça me fait plaisir ce compliment, me touche alors... tout cœur. Bon, écoutons ensemble les annonces de Pamela. 06 08 14 groupe de dominateurs et dominatrices cherche jeune femme. Très bien, parfait, eux ils sont déjà venus en groupe. Voilà. Ouais. 06 08 groupe de dominateurs et dominatrices cherche jeune femme. Ouais, voilà. Bonne chance Pamela. Merci. Allô? Allô? Groupe de dominateurs et dominatrices. Ah, ils sont peut-être déjà en séance là. Ah, ils sont en séance. Je suis en train de baraver ma femme. Voilà. Et pendant que ce temps, il y a la femme de mon pote qui me tape sur la gueule avec une massue. Et voilà. Et c'est trop génial. Bon, un autre. Oui, bonjour Pamela, c'est Vincent. Je me présente, j'ai 35 ans, j'habite à Paris. Je suis disponible cette semaine en journée et en soirée. Mmh. Rappelle-moi pour si ça t'intéresse qu'on se rencontre. Tu peux me rappeler au 06. C'est bien, lui, il a l'air sérieux, lui. Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Pour une... Et on en a un qui fait le bien. Ouais. Vas-y, Pamela. Il a un prénom. Il a un prénom, Vincent. Allô? Allô? Oui, Vincent. C'est qui? C'est Pamela, l'appareil. Tu m'entends?
Non, lui, tu as fait peur. Non, pourtant, t'avais une voix féminine. Ouais, bon, il y a à part le halo qui était un peu foireux au début. Le halo, ça fait. Non, mais il y avait du monde derrière, ouais. Je pense du monde derrière, lui. Il y a du monde derrière. Il y avait des bordels derrière. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah si, moi j'ai entendu. Moi j'étais obnubilé par la voix magnifique de Pamela, trop bonne, comme on nous dit sur SMS. Oui, Pamela, vas-y. Oui. Allez, vas-y, fais. Tu veux que je te fasse venir? Non, mais par contre, j'ai un ami à moi, Cédric. Oh bah non, c'est bon, je suis venu. Ah bah non, je suis pas venu. Allez, on passe à la suite alors. Ah bah très bien. C'est toujours du rapide. Bah oui, vous savez pourquoi? Bah ouais. Je suis précoce en fait. Mais ouais. Aucun rapport. C'est bien, bah on t'assume. Alors, un des. Oui, allez. Des pervers, un autre. Bonsoir mesdames, si comme vous avez envie de vous masturber et de jouer au téléphone, je vous attends au 06-04-13. Tranquille, petite soirée. Bonjour, sympa. Vous êtes sur le répondeur de. De. C'est son prénom. Ah, mais je le rappelle. Ah, t'as raccroché, bon tant pis. C'est bon, vas-y, ça. Vas-y, refais. Allô? Allô? Attends, Bonjour, vous êtes bien au 06-41. Ouais, ah. T'as pas fait le bon numéro, c'est momentanément absent, on va y me laisser un message, je vous rappellerai dès mon retour. À bientôt, merci. Je rappelle Samy, je crois. Au revoir. Bonsoir, mesdames, si comme vous avez envie de vous masturber et de jouer au téléphone, je vous attends au 06-04-13. Ah, appelle-le, Lilian. 06-04-13. Hein? Pour pas. Je l'appelle. Ah, il ne répond pas. Ah, saloperie, là. Ça répond pas. Tu réponds. Ah, dommage. Un autre? Allez, un autre de ce soir. Eh, peut-être tard, là. Oui, bonjour, Muriel, jolie femme, au 06-54. Alors, 06-50. Allez, on appelle Mumu. Appelle Muriel. 06-50-14, à la suite du numéro, Samy. C'est Muriel. Ah, oh, Mumu. Alors, Mumu, 06... Vas-y, tu veux que je le fasse peut-être? Non, mais il répond pas. Ouais, mais t'as pas essayé, Samy? Si, j'ai essayé. Ah, il répond pas, ce con, là, le travelon, avec ça va dans le travelon. Ah, Muriel, mon cul, que ça s'appelle Muriel. Il répond pas, Muriel. Ah, Muriel. C'est des jupes. Muriel, en tout cas, trop bien. Oh, la vache. Je suis trop dépendant de ce truc-là, vas-y, laisse ton message. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Allô, Mumu, c'est Pam, l'appareil, Pamela. Eh bien, écoute, j'ai trouvé ta voix charmante. J'espère que ça... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Comment tu vas? Allô? Allô? Bah, réponds. Tu es timide. Oh, il est timide. Elle. Elle est timide? Ben oui. Oui, mal. Non, mais c'est un homme, mais il s'appelle oui, Muriel. Bon, Muriel. C'est un homme, il s'appelle Muriel. Muriel, tu n'arrives plus à faire ta voix. Moi, c'est un peu pareil ce soir, j'ai un peu la voix fatiguée. Donc, ne sois pas timide, parle avec ta voix, ça ne me dérange absolument pas. Oui, salut, c'est Muriel. Excusez-moi. Non, mais tu as une voix bizarre, Mumu. Ouais, une voix charmante. Bon, ben Muriel, je te souhaite un bon week-end. Non, mais qui est-ce? Ah, mais c'est Pamela, je te dis. J'ai entendu ton annonce, là, sur le réseau. Le réseau! Muriel? Muriel? Le réseau, tu as passé une annonce, là. Ton numéro, là, je ne l'ai pas pondu, hein. Je l'ai entendu sur un bordel téléphonique. Bon, tu super. Oui, bah écoute, c'est super, oui. T'es pas très contente, Mumu. Non mais surtout il a une voix de... Muriel, oui, là, mais Muriel, je te le dire ce soir. C'est comme si moi vous m'appeliez, je sais pas, Josiane. Oui. Ah, Josiane sur Skyrock, personne n'y croirait. Muriel, là, c'est un peu cramé quand même ton histoire. Oui, c'est vrai, Muriel. Bon, je sais, il fait froid, t'as peut-être pris froid. Hein. Mumu, elle a mal à la gorge. Oui, Muriel. Sur le message, c'est plus sensuel, Muriel, écoute. Oui, bonjour, Muriel, jolie femme, oui. Au 06 50 14... Quand même beaucoup plus sexy. Ah, plus, c'est ça. Beaucoup plus féminine, même si on sent quand même qu'il y a des grosses couilles dans le féminine, là, quand même. Hein. Oui, elle s'appelle Muriel. Oui, c'est Muriel. Muriel, il faut arrêter la clope, hein, c'est pas bon. Bon, ben, on t'embrasse, Muriel. Salut, Muriel. Et merci. Bisous. Salut, Muriel. Ciao. Eh ben ouais, tout le monde n'est pas Pamela, hein. Et voilà, Muriel. Toujours féminine. Ta Muriel, elle a pris un coup dans la gueule quand même. Ah, c'est clair. Muriel, à minuit 14, c'est un peu tard pour elle, quoi. Oui, c'est Muriel. Oui, c'est qui? Voilà, bah, c'était Muriel, on a terminé la soirée avec Muriel. Ah, bah, charmante Muriel. Merci Pamela, bonne nuit. Bien de rien, bon week-end. Bisous, bisous. Profite bien et vivement lundi alors. Ah oui.